Nous allons corriger cet exercice qui permet de déterminer la sortie d'un régulateur en fonction d'un SP qui est ici constant et d'une process value qui évolue dans le temps. On a différents exercices à réaliser et je vous propose dans cette première vidéo, c'est de traiter le cas où le régulateur est uniquement proportionnel, donc entre l'instant 0 et T2. On a imaginé, fait l'hypothèse que le régulateur était uniquement proportionnel. Alors, avant toute chose, je pensais fortement, c'est dessiner le graphique de l'erreur, puisque les régulateurs calculent leur sortie chaque fois en fonction d'une erreur epsilon de t. Donc, de façon à avoir un visuel de cette courbe E de t, on va la tracer une bonne fois pour toutes, elle nous servira pour tous les exercices qui vont suivre. Alors, à l'instant 0, on a un PV de 15 et un SP de 20. On a donc un écart de 5 degrés, une erreur de 5 degrés. Ensuite, la température, elle évolue linéairement et l'écart se réduit pour arriver à l'instant T1 à une valeur de 1 unité. Entre 19 et 20, il y a 1 degré de différence. Donc, l'erreur, son graphique entre 0 et 15, c'est une droite qui part de 5 et qui arrive à 1 en ordonnée. Ensuite, PV reste constant entre T1 et T2. Donc, l'erreur reste constante à 1 unité. Ensuite, quand on passe à un régulateur PI, on voit que le PV augmente et on a une erreur qui devient nulle à partir de T3. Donc l'erreur devient nulle à partir de T3, va confondue avec l'axe des abscisses, jusque l'instant T5. À T5, l'erreur redevient positive, puisqu'on fait SP-PV, une erreur qui est positive, et qui tend vers, qui arrive à 1,5 degré à l'instant T6. Donc voici le graphique de l'erreur en fonction du temps. Passons maintenant à la correction proportionnelle. Je rappelle que le régulateur a été paramétré avec un gain de 25, T750 et T240, mais ce qui nous intéresse uniquement pour l'instant, c'est le gain de 25, puisqu'un correcteur proportionnel ne tient compte que du gain. Il n'y a pas encore de correction intégrale ni dérivée. Que se passe-t-il avant l'instant T0? Avant l'instant T0, l'erreur est supérieure à 4. Elle va de 5 à 4. Donc si on applique la formule du correcteur proportionnel, k fois erreur, quelque chose de plus grand que 4 fois 25, eh bien ça fait quelque chose de plus grand que 100. Autrement dit, si le régulateur est configuré en engineer units, on appelle ça, eh bien il va calculer une sortie plus grand que 100, sauf que lui, il ne peut pas sortir une valeur plus grande que son maximum 100%. Donc, on dit que le régulateur, il est saturé. Et on a une sortie régulateur à 100%. À l'instant T0, on a un écart de 4. À ce moment-là, 4 fois 25, ça fait 100. Le régulateur est toujours saturé, mais c'est le dernier instant où le régulateur est saturé. Après, comme l'écart diminue, la sortie du régulateur va diminuer et être inférieur à 100%. Donc, le régulateur est saturé. Tant que la mesure est inférieure à 16 degrés, le PV est inférieur à 16 degrés, on a un écart supérieur à 4 degrés et le régulateur est saturé. Ensuite, si on regarde ce qui se passe à l'instant T1, on a un écart de 1 degré, donc 25 fois 1, ça fait 25%. Si on se rappelle de la courbe de PV, je vais remontrer la courbe de PV, et bien à ce moment-là, à partir de T1, on a un PV qui est constant. Ça veut dire qu'on a un écart qui est constant aussi, et ça veut dire qu'on a une sortie régulateur qui est constante aussi, et qui vaut 25%. Alors, si on a un écart et une sortie régulateur qui ne se modifie pas, bien, assez intuitivement, on comprend qu'il n'y a aucune raison que ça aille mieux, que l'écart se réduise. Ce qui veut dire que le régulateur proportionnel, il a un souci majeur, c'est que lorsqu'il y a une erreur et qu'elle est constante, il ne va rien changer à sa façon de faire. Et donc, cet écart, il va subsister. On peut expliquer ça par l'absurde, c'est-à-dire montrer que l'inverse n'est pas possible. On pourrait imaginer que
PV atteigne SP avec un régulateur proportionnel. Donc, le SP est atteint, donc ça veut dire qu'on a un écart nul. Si on a un écart nul, que fait le régulateur proportionnel? K fois l'erreur. Donc, il fait 25 fois 0, ça fait 0. Et la sortie du régulateur se coupe. Donc, forcément, si la sortie du régulateur se coupe, le PV, il va chuter. Et l'écart n'est plus nul. Le SP n'est plus atteint. Donc, imaginez qu'il s'agisse d'une régulation de température dans un salon. À partir du moment où vous atteignez vos 21 degrés de consigne, imaginez que votre régulateur coupe sa sortie, coupe le chauffage. Forcément, ça ne va pas bien se passer. L'écart va devenir positif. Vous allez récupérer un écart, la température va chuter. Vous n'atteindrez pas votre consigne de 21 degrés. Vous n'y resterez pas. Donc, avec un régulateur proportionnel, si je reviens à la conclusion, c'est que la température, elle ne peut atteindre SP, puisque sinon, le out vaudrait 0. Donc, il restera toujours un écart permanent entre le SP et le PV. Alors, si on regarde graphiquement la sortie du out, on a dit qu'on partait avec un out saturé à 100% entre 0 et T0, et qu'ensuite, le out allait diminuer linéairement d'une valeur de 100% à 25%, pour rester constante entre l'instant T1 et T2, et avec un écart entre PV et SP qui reste constant lui aussi. Donc ce qu'il faut retenir comme caractéristique principale d'un correcteur proportionnel, c'est que pour ce type de régulation, et pour la majorité des régulations d'ailleurs, un régulateur P ne suffira pas. Il ne permettra pas d'annuler l'écart entre PV et SP, ne permettra pas d'atteindre la consigne. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien, cette correction proportionnelle. En fait, la correction proportionnelle est toujours présente. C'est elle qui va donner la dynamique, c'est elle qui va donner la rapidité. On verra par la suite. Mais en tout cas, elle ne permet pas d'atteindre le SP. Voilà pour cette première partie d'explication sur la correction proportionnelle.